Excusez-moi, ma bonne dame. Vous auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Il est 5h. Yeah.
Béatrice, la petite, tu veux la fille, hein? Je peux me l'avoir celle-là. Est-ce que vous savez qui je suis, monsieur la main? Oui. J'écoute. Je suis... François. J'en étais sûr. Je serai donc jamais reconnu. Je suis Bernard François, le frère jumeau de Claude. Et comment je ferais pour être Claude alors qu'il est mort, ça fait déjà 30 ans? Dites-moi. Je suis Bernard, le frère jumeau. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous dire la vraie vérité sur l'histoire. J'ai été enfermé dans la cave du moulin pendant des années avec son plus jeune fils qui cachait, avec un piano, et c'est moi qui ai composé toutes ses plus belles chansons. Eh oui, ah, ça vous fait rire, hein. Pourtant, je suis là devant vous, hein, messieurs, dames. Ah non, levez les mains tous un peu comme ça. Allez-y. Les sirènes du port chantent.
vrai qu'elle sent pas grand chose. Vous choisissez ce qu'il faut maintenant. C'est fini. Ok, plus ton linge. Tu n'as plus ton linge. Comment ça, tu n'as plus mon linge? J'en peux plus de repasser tes chemises. Mets-moi ça. Fais flotter tes frises. Enlève-moi ce bois qui te fait à la main. Oh non, je ne peux pas. Là, je t'aime comme ça, mon amour. Regarde ça. Ta vaisselle, je ne la ferai pas. Tu es belle, mon amour, comme ça, je t'aime. Ce n'est plus pour le moi, mais tu n'as qu'à demander à une autre. Pour la poussière, qui pour la poussière. Le vent et le parfum des roses. Tiens. J'avais une casserole, ouais. Ça ne me fait pas peur. Si, si, mon amour, facile. Mais je n'en peux plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as brisé mon cœur. Mais pourquoi tu me fais ça aujourd'hui? Voilà. C'est la crise de la quarantaine. Casserole, casserole, casserole. Mais là, tu les aimes, mes casseroles. Casserole. Allez, arrête, tu vas te faire pleurer. Casserole, casserole, casserole. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Casserole, 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 casserole. Et tu frottes, hein, casserole, tu frottes et tu frottes. Tes casseroles. Je la comprends plus. Tes bols, tes tasses et tes assiettes. C'est la crise de la quarantaine. Tes verres, tes torchons, tes serviettes. Arrête un peu. J'en peux plus de repasser tes chemises, de sortir tes poubelles et de faire ta vaisselle. Sans mettre le pot. Pourtant, elle a de l'ombre, moi, comme d'habitude. Mais là, il est un peu dépassé par les événements. J'en peux plus, Alain, ça suffit. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça suffit, je n'en peux plus. Mais je t'ai jamais vu. Tiens, Alain, ça suffit. Mais c'est ta vie de ma mère. Suffit. C'est lui que je t'avais offert. Je n'en peux plus. Mais je te comprends pas, tu me fais trop de mal. Ça va, lui? Merci, ma femme. Alain, de l'ombre, respecte votre choix. Mais... Ah, c'est pour elle? Non. Mais c'est pour elle, Alain. Comment ça? Écoutez, même si c'est pour elle, j'ai pensé un peu pour moi, parce qu'Alain Delon a toujours besoin pour se relancer d'un petit applaudissement. Écoutez, messieurs, dames, comme vous avez vu, Dalida, vous l'avez vu dans un état un peu, on va dire, second. Hein. D'habitude, elle n'est pas comme ça. C'est la première fois qu'elle me fait ça. Je pense que c'est la crise de la quarantaine. Et surtout parce que je crois que l'autre jour, en fait, ça fait quelques temps qu'elle me demande de l'acheter à la vaisselle. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alain Delon, lui, il aime l'avoir frotté les assiettes. C'est ça son truc, c'est mon petit fantasme. On va pas me le reprocher non plus quand même. J'adore l'avoir frotté, faire la vaisselle, balayer, astiquer. Alain Delon, la c'est mon fantasme. J'y peux rien. Et elle me fait la tête. Mais non, je comprends pas. Pourtant, je comprends pas, j'ai pas de défaut. Alain Delon n'a aucun défaut recensé, je vous assure. Il a trop d'égo. Tiens, Alain. Je connais pas. Ça suffit. Prends ta valise. Ah, faites-moi. Je suis qui? J'en ai assez de toi. Je n'en peux plus de toi. Alain par-ci, Alain par-là, il y en a que pour toi. Non, tu peux pas faire ça. Tiens, prends ta valise, Alain. Je te quitte. Mais tu peux pas faire ça, Dalida. Voyons. Après tout ce qu'on a vécu. J'en peux plus de toi. Ok, j'ai compris. Allez, écoute. Tu sais ce que je fais? Je file à Carrefour. En plus, c'est pas loin, je crois, ici. Je file à Carrefour et j'achète le dernier lave-vaisselle avec programmation vocale intégrée. Ça c'est super. Avec Radio Nostalgie intégrée. Comme ça, quand tu balayeras, tu pourras écouter tes morceaux de Mike Brown que t'aimes bien. Que tu pourras c'est faire vrai, Alain. Quand je balayerai. Ouais. Allez, va, allez. T'as vu comme je suis bon? Alain, allez, tiens, tu n'as pas allez. Compris, Alain. Ramène, tu n'as pas compris. Ramène ma valise. Ramène ma valise à la chambre. Voilà, merci. Alain est trop bon. Il n'y a pas que la vaisselle qui me fatigue. Tu n'as pas compris. Ah bon? Pourquoi qui te fatigue encore? Tu ronfles, Alain. Comment ça, je ronfle? Tu ronfles toutes les nuits, tu ronfles. Impossible, Alain Delon ne ronfle pas. Tu ronfles tellement fort que je suis obligée de tenir le cadre de papa et maman pour pas qu'il te tombe sur la tête. C'est pas possible. Je n'en peux plus, Alain. Voilà, ça suffit, tiens, prends ta valise. Là, c'est trop pour moi, là. Tiens. Là, je suis ok, mais qu'est-ce que je vais devenir si tu pars, moi? Je te quitte, Alain. Non. Ah, pas ça. Si, je te quitte, Alain. Ne me quitte pas. Je m'en vais, Alain. Non.
exceptionnel, demandez-lui de rester. Mais savez-vous comme Alain, il est bon, il est généreux, il aime tout le monde, quand tout le monde l'aime, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais, Alain, là? Non, rien, Alita, j'essaie d'en manger un petit peu. Allez, Alain, lève-toi, tu me fais honte encore une fois. Lève-toi, Alain. Et après? Allez, lève-toi, ça suffit, allez. On rentre à la maison. Tu me fais honte, là. On rentre à la maison. Allez, c'est bon, tu as encore gagné, Alain, c'est bon, allez, viens. On rentre à la maison. Allez, viens. Tu vas voir, j'ai une super grosse gamelle, on a fait la paella. J'ai de la faire roser dans deux, trois.